Gennevilliers, c'est là où tout a commencé en 1905. Deux frères, deux industriels, les frères Seguin, qui possédaient une forge à Gennevilliers, décident de se diversifier, de se lancer dans le moteur de bateaux puis d'avions avec une innovation technologique très, très originale. C'est là aussi où tout commence quand on élabore un moteur d'avion. La chaîne de production de Gennevilliers, on part de la matière première et on va la forger ou la couler, l'usiner. Vous verrez tous ces talents divers travailler ensemble, et c'est ça qui est très très fort dans l'histoire de Gennevilliers et dans son futur. C'est vieux, ça. Je regarde, mais j'aime bien. J'adore. Là, on voit vraiment, on assiste vraiment que les gens n'avaient pas peur du feu ni des fumées. Ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est les anciens compagnons qui ont créé plus ou moins la forge de Gennevilliers. Cette forge qui était auparavant très, très dure, très insalubre, très difficile. Alors, on se servait énormément, c'était le palan pour lever les grosses pièces. On prenait les grosses tenailles. Il y en a, c'est des tenailles à coquilles, là, qu'il a. Et on serrait, on mettait la tenaille, on serrait et on mettait un tourne à gauche. Il n'y a pas mon père. Il y a des anciens, mais il n'y a pas mon père. Mon père était tout petit, 1m55, 56 kg. Et il bougeait des pièces de 80, 100 kg dans le four. Il y en a, il disait, comment tu fais? Il dit, travaille pas avec tes bras, travaille avec ta tête. Ils m'ont transmis leur savoir-faire, leur technique, leurs conseils. Aujourd'hui, grâce à eux, je suis compagnon sur le pilon 80 tonnes. Le respect des anciens, c'est énorme. Ça fait chaud au cœur de voir qu'en fait, ce site a connu une grosse histoire, en fait. Nous sommes ici dans un lieu qui a considérablement évolué en fait dans le courant du 19e siècle. Du côté d'Argenteuil, il faut imaginer les berges avec beaucoup d'arbres, des bois, des champs, des pâtures d'un côté. Parmi les premiers qui se sont installés, c'est Renoir, mais c'est aussi évidemment Monet qui a vécu plusieurs années, 7 ou 8 ans, et qui a peint beaucoup les régates, la plaine du Petit Gennevilliers qui est donc juste en face d'Argenteuil. Caillebotte, lui, s'est installé en 1881, ayant acquis d'abord une petite propriété qu'on retrouve d'ailleurs sur les tableaux de Monet et dans les tableaux de Caillebotte lui-même. Il s'est considérablement étendu, plus de 5000 m². Caillebotte décède très jeune, prématurément, en 1894. En 1995, Louis Seguin, ingénieur, s'installe là. Il avait déjà repéré l'endroit, la proximité de la Seine, la proximité des bateaux, des péniches, la facilité d'accès dans le Petit Gennevilliers. Cette carte postale date du début du XXe siècle. Nous trouvons la maison Paillard, dont les restes sont encore dans l'enclos de Safran. Ensuite, nous avons un petit atelier et le premier atelier Gnome. Et Louis Seguin s'est installé là et a construit ses premiers moteurs de bateaux avant de construire évidemment les fameux moteurs Gnome.
avant de créer la société Gnome, il dépose plusieurs brevets de moteurs fixes. Et puis, dès que l'aventure des moteurs Gnome démarre, en fait, il appelle son jeune frère Laurent pour démarrer donc l'aventure de leur moteur révolutionnaire. Sur la scène, devant leur atelier, il se passe des choses. Il y a des canots, il y a des courses de bateaux, donc il suit ça avec attention et il lit la presse, évidemment, scientifique du temps. Donc il sait que le 50 chevaux est la puissance qui conviendra. Partant de là, il a fait un moteur sensationnel pour un aéroplane, c'est qu'il est très léger. Le moteur pèse moins de 80 kg, il n'y a pas de circuit d'eau, donc il n'y a pas de cause de fuite. C'était peut-être le premier moteur réellement conçu pour des applications aéronautiques. Un moteur à piston en étoile, mais qui avait la particularité d'avoir non pas un axe qui tournait au milieu du moteur, mais de tourner autour de son axe. Ce souci de s'adapter, de répondre à une demande, de faire léger, pas trop cher, et d'être tout de suite adapté au marché. Mais en même temps, ça a été des débuts difficiles. La technologie de ce moteur était assez sophistiquée. Il fallait consommer de l'essence, de l'huile et de l'air à travers l'axe creux du vilebrequin pour alimenter le moteur. Le mérite de Louis Seguin et de son frère, c'est d'avoir réglé tous ces problèmes un par un. Louis et Laurent sont inspirés par les aventures industrielles et commerciales de leur grand-père. Louis Seguin, certainement entrepreneur, homme d'affaires, gestionnaire de ses entreprises, de toutes les licences qu'ils prennent pour les moteurs Gnome. Je pense que Laurent reste plus ingénieur, familier des terrains d'aviation, qui connaît tous les aviateurs qui comptent à l'époque. Et c'est ça qui fait leur complémentarité, en fait. Louis était quelqu'un de très apprécié, d'assez direct, sympathique, souriant. Il était, je crois, très proche des ouvriers de Gennevilliers. Enfin, on raconte qu'il participait au travail, au développement. Il suivait les essais techniques de très, très près. Il arrive au moment, avec ce moteur qu'il a eu du mal à mettre au point, au moment où il y a une explosion dans la demande d'aéroplane, parce qu'il n'y a pas de marché pour un moteur d'aviation avant 1908-1909. Il n'y a aucune vente, l'aéroplane, ça n'existe pas. Il y avait foule à Reims un jour de l'été 1909. Le président Armand Falière et, comme on dit, de nombreuses personnalités, dont Aristide Briand, inauguraient la grande semaine d'aviation, la première de tous les temps. Il avait aussi enregistré le succès de Henri Farman, emmenant pour la première fois deux passagers, disons deux héros, et enlevant ainsi le Grand Prix de Champagne. Louis Seguin a eu cette chance d'avoir deux clients importants, Louis Blériot et Henri Farman. Il veut réussir, Louis Seguin, donc il va dire à Farman, ton moteur ENV, ça va pas, c'est pas bon, c'est beaucoup trop lourd, moi je te fais un moteur de 50 chevaux qui pèse 50 kilos. Farman comprend qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec Louis Seguin. Il va monter le moteur Omega, sur sa machine, qui va voler plus de 3 heures. Donc c'est miraculeux. Le moteur Gnome, ça va devenir une référence. Louis Blériot, le 25 juillet 1909, traverse la Manche. À la fin de l'année, pour Blériot, il a pratiquement 1000 commandes d'aéroplanes. Ça veut dire qu'il faut aussi 1000 moteurs. Louis Seguin lui dit, pas de problème, on vous fournira 1000 moteurs. D'avoir des forges, des fonderies et surtout toute une industrie derrière soi, ça aide considérablement et c'est ce qui va aussi aider beaucoup Louis Seguin. Il a une base industrielle. La mise au point des moteurs Gnome était si délicate et précise que finalement, le savoir-faire appartenait à la société Gnome. Le développement commercial s'est fait beaucoup par la vente de licences en Angleterre, en Allemagne et donc aussi en Italie et aussi en Russie. La société des moteurs Gnome construit une usine à Moscou pour fabriquer le moteur Omega notamment.
et le tsar Nicolas II compte beaucoup sur la France pour son aviation. Pour le remercier de sa contribution à la création de l'aviation militaire russe, le tsar offre à Louis Seguin des ours. Ces deux ours ont vécu là, dans une fosse aménagée pour eux, dans l'usine de Gennevilliers. Et le plus jeune a été empaillé et il est resté dans la famille depuis cette époque. En 1912, le ministère de la guerre va homologuer à peu près tous les moteurs Gnome. Quand la guerre arrive, la société du moteur Gnome en sortait 3 par jour. Il va falloir en sortir 30 par jour, il va falloir s'organiser autrement. Louis Seguin va racheter la société des moteurs Rhône. La fusion va permettre d'avoir 2 fois plus de sites de production. On va produire en masse. En 1915, ils seront tout simplement les premiers constructeurs de moteurs d'avion au monde, quelque part. Voilà nos racines les plus anciennes. Cette très très belle histoire de développement des moteurs Gnome prend un sacré coup en 1918 pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la fin de la guerre. Donc, les commandes de moteurs d'avion qui étaient extrêmement abondantes subissent un choc. En 1918, la mort subite de Louis est un coup sévère aussi. Et donc finalement, l'entreprise va sortir de la famille Seguin assez rapidement après cette période-là. Paul-Louis Weller, il était aviateur pendant la Grande Guerre, il a compris l'intérêt de l'industrie. En 1923, va racheter la société des moteurs Gnome et Rhône. C'est un homme jeune, extrêmement dynamique. Il a aussi des moyens financiers importants. Et il va relancer la société Gnome et Rhône à travers la production de moteurs d'avion. Et en 1930, la société Gnome et Rhône sera le premier motoriste d'Europe. Donc il va vraiment procéder à un redressement fantastique. Au cours de la visite présidentielle, M. Albert Lebrun s'intéresse tout particulièrement aux 14 cylindres Gnome Rhône, dernière réalisation homologuée de l'aéronautique française, capable de développer 1400 chevaux. Après la guerre, le général de Gaulle va créer la SNECMA. Je suis arrivé dans une usine qui n'avait pratiquement connu que la production de pièces pour le militaire, qui était pour 80% les restes de Gnome et Rhône, qu'on est passé de pièces militaires à des pièces civiles qui n'ont pas tout à fait la même philosophie de production. La forge de précision, on est passé d'aubes qui faisaient 4-5 cm à des pièces qui font pas loin d'un mètre. Donc c'est plus la même façon de travailler, c'est plus les mêmes risques pour les ouvriers, c'est vraiment un changement total, une adaptabilité nécessaire pour ces pièces-là. En 12 ans de présence, j'ai assisté à beaucoup de changements sur le site de Gennevilliers. J'ai vu notamment le réaménagement de nouveaux ateliers, l'arrivée de nouveaux opérateurs, une nouvelle équipe de dirigeantes. On a assisté aussi à l'investissement sur des nouvelles machines. On a vu un accroissement des efforts au niveau en termes de sécurité. Même en faisant un tout petit boulot, on a toujours besoin de quelqu'un pour tenir le marteau, pour tenir la pièce et tout. Donc forgeron, normalement, travail d'équipe. Hein. Ça fait des années que je suis ici et j'adore mon métier. Même à l'extérieur, on arrive à faire des démonstrations de forge avec certains collègues. Ça, j'adore ça. Puis voir ce qu'on va créer. Ça veut dire qu'on prend une pièce
comme j'ai fait tout à l'heure, bon, je la regarde quand je travaille parce que pour voir s'il n'y a pas de défaut, mais de créer quelque chose, c'est vachement intéressant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, déjà une. Hein. Mais c'est un métier qu'on a, une fois qu'on a commencé, on veut toujours apprendre plus. Même aujourd'hui, j'apprends encore des choses. Peu à peu, on a fait évoluer les technologies d'usinage de technos, je dirais banales, qui sont du fraisage longitudinal, à du fraisage 5 axes, à du polissage 5 axes, le plus automatisé possible. La fonderie, le cœur du métier, c'est la fabrication d'aubes de turbines. On fabrique en cire des pièces qui auront à peu près le même profil de la pièce terminée, au retrait du métal près. Ben, mon travail consiste à passer le vernis. C'est tellement étroit, donc faut pas déborder, c'est des petits trous à enlever la dilatation, donc mettre des picots, qui c'est tout petit, hein. Donc avec des pinces à épiler, on travaille, donc moi j'aime tout ça. Il y a des séries où il faut être très très concentré, ça c'est sûr. L'évolution des techniques fait qu'on a des pièces de plus en plus complexes, donc de plus en plus intéressantes à travailler. C'est un travail très minutieux et moi c'est ce que j'aime. Réussi à relever tous les challenges qui nous ont été proposés depuis 20 ans. Au départ, on avait 3 à 4 procédés. Maintenant, on n'en a plus qu'un. Il y a 35 ans environ, la très grande majorité des moules étaient fabriquées manuellement. Le challenge était d'utiliser des robots pour effectuer les mêmes mouvements manuels des opérateurs. Gennevilliers, c'est aussi la science.
Les matériaux que nous mettons en œuvre à Gennevilliers ont été inventés en collaboration avec des ingénieurs de Safran, mais aussi des chercheurs d'unités de recherche presque fondamentales, des meilleurs laboratoires associés au CNRS ou aux universités, aux grandes écoles. Un soir, pas mal d'années, peut-être il devait être 19h, 20h, une personne avec laquelle je travaillais m'appelle, dis donc, tu peux pas venir voir? Il y a un cliché, il est bizarre, j'y comprends rien. Je regarde le cliché sur le microscope avec lui. Alors on est dans une pièce où il fait tout noir. Il y a des points lumineux, je vois, c'est un petit peu comme un ciel étoilé. Et puis avec ça, on fait ce qu'on appelle des chansons. À partir de chacune des tâches, on voit qu'est-ce qui est à l'origine de la diffraction. Et on venait de mettre en évidence, je crois que nous avons été les premiers, à mettre en évidence les phases durcissantes dans l'alliage 718. On voit des disques en train d'être forgés, sur lesquels on va accrocher des aubes et puis qui vont tourner très vite. Et les ordres de grandeur, de température, c'est absolument considérable. Les moteurs d'avion sont des moteurs qui durent très 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 longtemps. Un avion s'est conçu pour durer 40 ans. Dans le domaine de l'aviation, on surveille très très précisément ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur. C'est fortement instrumenté, on mesure tout. Et c'est dans le domaine de la fiabilité qu'il faut absolument se battre. Donc c'est un aller-retour continuel entre l'observation, l'expérimentation, la simulation numérique. Il y a des choses qui sont maudites pour les gens qui font des métaux. La fatigue en fait partie, la corrosion. Et Dieu sait si on l'en a dans les moteurs à cause de l'oxydation. Donc ça veut dire que les matériaux sont poussés vraiment à leur extrême. Deux rôles principaux. Un premier rôle de pur bureau d'études qui est de dessiner les pièces en 3D et de les calculer en mécanique pour comprendre quelle est leur durée de vie et savoir s'il n'y a pas de danger pour le moteur. Et un autre rôle très important qui est de garantir la fabricabilité de ces pièces. À Gennevilliers, on met en œuvre des alliages qui présentent une bonne résistance sous des sollicitations endommageantes telles que sont les sollicitations thermiques, mécaniques, environnementales. Les seuls matériaux qui permettent de répondre à ces besoins, ce sont des alliages à base nickel ou base cobalt qu'on appelle des super-alliages. On aura des super-alliages qui seront polycristallins, c'est-à-dire qui seront formés d'une multitude de petits grains qui auront une orientation aléatoire. Ou alors ils pourront être polycristallins avec des joints de grains qui suivront une direction favorable par rapport aux sollicitations des pièces. Ou encore monocristallin, auquel cas on a des pièces sans joint de grain. Alors les exigences du client par rapport à ces pièces, c'est toujours plus chaud. Donc dans le futur, nous allons être amenés à dessiner des pièces qui atteignent des températures de plus en plus élevées. On parle pour le futur d'augmenter les températures de 100 à 150 degrés. Pour cela, on va concevoir des circuits de refroidissement à l'intérieur des pièces pour faire passer de l'air plus frais. Et on va aussi percer des petits trous dans ces pièces qui permettent de créer un film d'air frais. Et qui permet en fait à ces pièces de tenir ces conditions extrêmes. Si les aubes n'étaient pas protégées par une céramique, l'alliage monocristallin, c'est un monocristal, serait fondu. Donc ça, ça a vraiment été le combat de la fonderie, de mettre au point ces procédés pour sortir, et pas pour sortir une pièce pour se faire plaisir, c'est sortir des pièces pour rendre le service attendu pour la totalité des clients. You know, the CFM 56, for many, many years now, has truly set the standard for efficiency, for reliability, for availability. I think that Safran continuing to invest in ideas and in technologies that are going to create efficiencies are going to continue to be important. Nous sommes clients
de bon nombre de produits de Safran. Les attentes d'Airbus à l'égard de Safran, c'est de maintenir l'innovation d'être à la pointe de celle-ci sur des domaines très spécifiques de compétences qu'a démontré Safran par le passé et le passé très proche. Well, the Southwest-Safran relationship is superb. We have had a relationship for over 30 years. They develop very innovative engines for us. Our engines are highly reliable. The thing that I like most about the relationship is not only do they produce innovative engines, but they continuously improve those engines over time. L'aéronautique, il y a un point qui est primordial, c'est de pouvoir remonter la traçabilité de toutes les fabrications des pièces. Et nous, notre point fort, c'est que tout étant tracé, on est capable de remonter à partir d'une pièce qui est montée sur moteur, de remonter toute la gamme de fabrication jusqu'au lopin de métal. La plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à synthétiser au sein d'une pièce à la fois la performance que demande le client et la fabricabilité qui nous permet de faire des pièces en grande série. C'est ça qui aujourd'hui nous satisfait le plus. On est passé de « je fais des pièces, peu importe le temps, je fais mes pièces » à « il faut que je produise bien, que je produise pas trop cher, que je m'améliore en continu sur la qualité des pièces que je fabrique, mais aussi sur le prix de pièces que je fabrique ». Et ça pour moi, ça a pu être fait grâce aux gens qui étaient présents et qui ont joué le jeu pour arriver à bâtir ce que l'on a aujourd'hui. Et quand il y a des nouveautés, c'est très intéressant. On est impliqué dedans et tout ça, c'est ça qui est bien. Et on recherche toujours quelque chose de mieux, quoi. On résout des problèmes aussi bien que les méthodes ou avec les pièces tipeurs ou avec les chefs. On discute, on dit okay, on pourrait améliorer ça. On est constamment en formation parce que les matériaux changent. Les process changent et parfois on est obligé d'être créatif, c'est-à-dire qu'on est obligé d'apporter notre petite touche personnelle. On a tous des métiers très pointus, très complexes, on ne peut pas connaître l'ensemble des techniques et donc on a toujours besoin de se référer à des gens qui connaissent les spécificités de leur métier et donc c'est pour ça que c'est très riche. Sinon la grande satisfaction du chercheur, c'est toujours pareil, du chercheur c'est de trouver des idées nouvelles, alors des modèles nouveaux, et puis parfois ça marche dans la réalité. On a vu un petit peu la finalité, et franchement, la finalité, moi je sais qu'elle m'a marqué. Je suis partie la voir à Villaroche, hein, et ça m'a beaucoup impressionné. Oui. Dans un avion, je suis jamais monté. Quand on est en l'air, on ne peut pas faire autrement que de penser que l'on a contribué à ce que les moteurs fonctionnent à leur meilleur niveau. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui vient de mes mains. On peut améliorer certaines choses, peut-être de façon, en automatisant certaines choses, mais la main de l'homme, elle sera toujours là. Connaître mieux cette histoire, c'est en partager la fierté et c'est aussi, fier de notre histoire, partager une confiance dans notre avenir. Puis peut-être aussi dans un pays, la France par exemple, qui peut manquer de confiance dans son futur, hein, son futur industriel en général, de raconter que cette histoire brillante est appelée à se prolonger avec le concours, la volonté et les talents de tous.